Munissez-vous de votre partition lecture rythmique à instrument, sur laquelle vous devez écrire vous-même une mélodie en sol mineur ou en si mineur, quelle que soit la clé de votre instrument, en clé de sol, en clé de fa ou en clé d'ut, vous écrivez pour votre instrument sans vous préoccuper du reste. En revanche, vous devez obligatoirement respecter les rythmes imposés. Voici un petit rappel de la gamme de sol mineur où je vous ai indiqué la tonique et la dominante. Je vous ai aussi écrit tous les accords parfaits qui correspondent à chaque note. Par exemple, sol, si, ré, la demi, si, ré, fa, demi, sol, ré, fa, la, sol, si, fa, la, do, sol, si, ré, avec deux bémols à la clé, bien sûr. Et voici la même chose, mais cette fois-ci en si mineur avec deux dièses à la clé. Toujours la tonique et la dominante, et les accords parfaits, si, ré, fa, demi, sol, ré, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, ré, la, do, mi, si, ré, fa. Vous pouvez composer avec tout ça. N'oubliez pas que les notes essentielles sont autour de la tonique et autour de la dominante. Et pour vous aider, pour vous montrer ce que ça peut faire, je vous ai fait un exemple en sol mineur et un exemple en si mineur que j'ai joué sur mon instrument, le saxophone. Donc à vous de jouer et d'écrire et de m'envoyer ce que vous avez écrit pour que je vérifie. Thank you.